Where do I start my story? When I was 13 and a half, gangs were all the way across. Ce que j'ai trouvé déjà dès le début du documentaire archi intéressant, c'est les animations qu'il y avait au début du documentaire. Et ça rajoutait vraiment un impact fort et surtout une certaine originalité et une fraîcheur qu'on voit pas partout. Et la gestion aussi de la temporalité, elle a été archi bien exécutée avec la frise chronologique qu'on voyait en bas. Et en fait, on était dans le présent à un moment. On retournait dans le passé et c'était vachement bien rythmé. On peut voir que Israël a été un pays qui intègre énormément les gens d'une autre société. Par exemple, un noir qui vient des États-Unis où là-bas il y a beaucoup de ghettos et où la séparation blanc et noir est flagrante, alors qu'arrivant en Israël, il était intégré. Il faisait déjà partie du peuple. Et, ça prouve que Israël est un pays qui ne prend pas en compte les différences dans la société. Alors la leçon qu'on peut en tirer, c'est voilà, il faut jamais lâcher ses rêves, parce qu'on voit que au début c'est un homme qui vit dans un ghetto à New York, qui est complètement désemparé, etc. Et on voit que finalement il va en Israël et qu'il réalise son rêve, qu'il devient un très grand basketteur, etc. Ben, je pense que c'est un peu cliché comme phrase, mais de pas abandonner, certainement, parce que enfin il y a toutes ces choses horribles qui se déroulent dans sa vie, tous ces enfants qu'il a voulu rencontrer et qu'il a pas pu, ces moments où il tombe dans la drogue. Au final, ça change rien tant qu'il a eu cette envie de continuer, ça a marché pour lui. Bon, ensuite, malheureusement, on voit que à la suite du film, il tourne vers la drogue, etc. Il fait de la prison. Donc, il ne faut pas que ça devienne limite trop dangereux pour la santé. Ça peut tomber sur n'importe qui. C'était un petit garçon qui est né en Caroline du Nord et qui a grandi à Newark dans un quartier nul, issu de la pauvreté. Et malgré tout ça, il a eu cette vie incroyable. Ce qu'on peut en tirer, c'est que voilà, il ne faut pas lâcher ses rêves, il faut croire en ses rêves. Mais surtout, ne pas trop. Enfin, il faut voir que ça devienne non plus une obsession. Venez voir ce film sur fffj.fr. Pour voir le film Olsi, rendez-vous sur fffj.fr. Et surtout, n'oubliez pas, on vous attend sur fffj.fr.